Bonjour, donc voici une petite vidéo pour vous expliquer les classes de mots. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent déjà la plupart des classes de mots, mais c'est un petit rappel pour vous aider à vous rappeler pour chacune des classes de mots qu'est-ce que c'est. Et ensuite, ça va vous aider aussi pour les autres capsules de présentation qui vont parler par exemple du groupe du nom ou du sujet, du verbe et du complément de phrase. Donc, c'est important de bien connaître cette classe de mots pour pouvoir comprendre les autres parties de la grammaire. Alors, en français, il existe 8 classes de mots. Par contre, dans la vidéo aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être le nom, le déterminant, l'adjectif, le verbe, et le pronom. Donc, ce sont les 5 classes de mots les plus importantes. C'est pour ça que c'est ceux que je vais vous rappeler. Et ce sont les 5 classes de mots qu'on a besoin de se rappeler pour pouvoir voir la suite des choses. Par contre, l'adverbe, la préposition et le coordonnant, je vais pouvoir faire une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi exactement ces classes de mots. Alors, pour commencer, le nom. La plupart d'entre vous le savez déjà, il existe en français 2 sortes de noms, le nom commun et le nom propre. Donc, le nom commun, ça désigne des personnes, des animaux, des objets, des lieux, des sentiments, des actions. Il commence toujours par une lettre minuscule, donc une petite lettre. Il y a souvent un déterminant devant un nom. Donc, c'est très rare qu'il n'y en a pas, mais ça peut arriver parfois. Alors, par exemple, on te donne une phrase. Mon grand-père construit un robot dans son garage. Donc, ici, dans cette phrase, il y a 3 noms. Grand-père, qui est un nom commun, parce qu'il commence avec une majuscule et qu'il désigne une personne. Et il y a son déterminant avec lui qui est mon. Donc, le déterminant, on se rappelle, il indique si le mot, le nom, il est féminin ou masculin et singulier ou pluriel. Donc, ici, si on a utilisé le déterminant mon, ça veut dire que grand-père est masculin et singulier. Ensuite, l'autre nom, c'est robot. Donc, robot est un nom, son déterminant, c'est un. Le un, ça signifie que robot est masculin et qu'il est singulier. Et finalement, garage. C'est un nom commun qui est avec son déterminant et le déterminant est son, qui veut dire que c'est à lui, que c'est masculin et que c'est singulier. Finalement, l'autre sorte de nom, c'est le nom propre. Donc le nom propre, ça désigne des personnes, des personnages, des animaux, des lieux et ça s'écrit toujours avec une majuscule parce que c'est le nom d'une personne. Par exemple, moi je m'appelle Laurence. Laurence, c'est le nom propre, ça s'écrit avec une majuscule. Même si le mot est dans le milieu de la phrase, peu importe où il est dans la phrase, on l'écrit avec une majuscule, une lettre, une grande lettre. Donc l'exemple ici, c'est Saïd revient de Québec avec son chien Noiro. Donc Saïd, c'est le nom d'un garçon, c'est le nom d'une personne. On a mis une majuscule et c'est le premier mot de la phrase aussi, donc c'est pour ça qu'on met une majuscule. Revient de Québec. Donc, Québec, c'est une ville, c'est le nom d'une ville, c'est pour ça qu'on a mis une majuscule. Avec son chien Noiro, donc Noiro, c'est le nom du chien, alors on a mis une majuscule. Par contre, ici, on a mis le mot chien qui est un nom commun, donc on n'a pas mis de majuscule. Donc, il faut se rappeler 2 choses pour le nom. Premièrement, il y a le nom commun qui est toujours avec un déterminant, ou parfois non, mais souvent avec un déterminant. Et qui prend une minuscule. Et sinon, il y a aussi les noms propres qui, eux, prennent toujours une majuscule, peu importe où ils se trouvent dans la phrase. Ensuite, tous les noms ont un genre et un nombre. Ce que ça veut dire, pardon, c'est que quand on parle de genre, ça veut dire que le mot peut être féminin ou masculin. Donc, tous les noms communs ont un féminin et un masculin, qui ne change pas. On ne peut pas dire, par exemple ici, bouteille, c'est féminin, une bouteille. On ne peut pas dire un bouteille. Impossible. C'est toujours féminin. Donc, on va dire la bouteille, une bouteille,
sa bouteille, ta bouteille, toujours des déterminants féminins. Par contre, on peut aussi changer le nombre. Le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Donc, je pourrais dire des bouteilles ou une bouteille. Une bouteille, ça veut dire que j'en ai seulement une. Si je dis des bouteilles, c'est pluriel, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plus qu'une. Par exemple, si je fais ça ici, j'ai un doigt. Oups. Un doigt. Mais si je vous montre ça ici, j'ai cinq doigts. Ça veut dire que c'est des doigts, c'est pluriel. Un doigt singulier. Alors, quand on te parle de genre, c'est féminin ou masculin. Donc ici, un moteur. Moteur, c'est masculin, c'est son genre masculin. Une vis. Vis, c'est un mot féminin, donc il est de genre féminin. Alors, encore une fois, quand on te parle de nombre, ça veut dire que c'est singulier ou pluriel. Donc, un morceau. Morceau, ici, il y a un devant, ce qui veut dire que c'est singulier. Et des pièces, si tu regardes, il y a des devant. Et il y a aussi la marque du pluriel à la fin, il y a un S, ce qui veut dire que pièce est un nom commun qui est pluriel. Finalement, pour le déterminant. Le déterminant, comme je le disais tantôt, est toujours placé avant le nom. Il ne peut jamais être après. Par exemple, si je dis, encore une fois, la bouteille, je ne peux pas dire bouteille la. Le la, qui veut dire que bouteille est féminin et singulier, doit toujours se placer avant. Parfois, il y a un adjectif entre le déterminant et le nom. Par exemple, ici, on te donne un exemple. Zoé contrôle parfaitement la grosse machine. Donc, la, c'est le déterminant féminin. Machine, c'est le nom. Donc, je peux dire la machine. Je ne peux pas dire machine la. Ça ne fonctionne pas. Donc, le déterminant est avant. Et entre les deux, on a mis un adjectif. Donc, la grosse machine. Ça, c'est possible. Donc, ce qu'on dit, c'est que parfois, entre le déterminant et le nom, il y a un adjectif. Ça arrive aussi que parfois, il n'y a pas d'adjectif. C'est directement le nom et le déterminant. Le déterminant et le nom, pardon. Donc, le déterminant peut être formé d'un ou de plusieurs mots. Donc, ici, dans le tableau, on te donne plusieurs exemples de déterminants. Donc, ici, ce sont les déterminants qui sont formés avec un mot, comme le, la, les, un, une, des, au, du, ton, sa, nos, votre, mais. Bon, il y a plusieurs déterminants qui existent, autres que ceux qui sont là, là, il y en a vraiment beaucoup. Et il existe aussi des déterminants qui sont faits avec plusieurs mots. Par exemple, beaucoup de, peu de, la plupart de, plein de, tous les. Donc ça, ce sont des déterminants formés avec plusieurs mots. Le déterminant reçoit le genre, donc comme on disait tantôt, le féminin ou le masculin, et le nombre, singulier ou pluriel, du nom qui l'accompagne. Ça veut dire que c'est le nom qui décide si le déterminant va être féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Alors ici, morceau, dans la phrase « Simon remplace des morceaux de la machine », morceau, c'est un nom. Morceau ici, il est pluriel et il est masculin. Ça veut dire qu'on va mettre un déterminant devant qui va être masculin et pluriel. Des morceaux. Ici, il y a machine. Machine, c'est un nom commun. Machine, il est féminin et singulier. Ce qui veut dire que devant, on va mettre un déterminant qui va être féminin et singulier. La machine. Pour ce qui est de l'adjectif. Donc, l'adjectif, il est toujours placé avant ou après le nom. Un adjectif, c'est un mot qui explique comment est une personne, un animal, une chose. Donc, comment est le nom? Par exemple, ici, on dit « Jacob a créé un petit robot téléguidé ». Donc, le nom ici, c'est « robot ». Et on veut expliquer comment il est le robot. Donc, le robot, premièrement, il est comment? Il est petit. On ajoute un adjectif. Et il est téléguidé. Ça veut dire qu'on peut le contrôler à distance. Donc, téléguidé, c'est un adjectif et petit est un adjectif. Ici, si tu remarques, il y a le nom, il y a un adjectif qui est placé avant et il y a aussi un adjectif qui est placé après. Donc, tu peux le placer avant ou après.
Dépendamment, ça dépend des fois. L'adjectif qui doit s'accorder, donc qui reçoit le genre féminin ou masculin et le nombre singulier ou pluriel du nom qui l'accompagne. Ça veut dire que robot ici, il y a petit, donc petit, si robot est masculin singulier, petit doit absolument être masculin singulier. Si téléguidé, si le robot est téléguidé, ça veut dire que robot est masculin singulier, donc adjectif, l'adjectif téléguidé va être féminin, masculin singulier, pardon. C'est un brillant roboticien. Donc, roboticien, c'est le nom qu'on donne à une personne qui construit des robots. Donc, le roboticien, c'est le nom, il est masculin singulier. Il est comment? Le roboticien, il est brillant, ça veut dire très intelligent. Donc, parce que roboticien est masculin singulier, on va dire que brillant est masculin singulier aussi. Il s'accorde avec le nom. Parfois aussi, l'adjectif, à la place d'être entre le nom et entre le déterminant et le nom, ou d'être placé après le nom, il peut aussi être placé après le verbe être. Alors, l'adjectif peut être placé après le verbe être. Il reçoit alors le masculin ou le féminin et le singulier ou le pluriel du nom ou du pronom qui l'accompagne. Par exemple, The Box est sympathique. Donc, The Box, c'est un nom propre, c'est le nom d'une personne. The Box est, le verbe être, sympathique. Donc, c'est qui est sympathique? C'est The Box. Ça veut dire que sympathique va s'accorder avec The Box. The Box, on l'a dit, c'est le nom d'une personne, c'est un nom propre, mais c'est le nom d'un garçon et il est singulier. Comment je peux savoir si The Box est singulier? En fait, il y a juste un nom propre, ça veut dire que c'est singulier, mais il y a aussi le verbe être qui est au singulier, ce qui veut dire que The Box est singulier. Alors, parce que The Box est masculin singulier, l'adjectif qui est placé après, même s'il est après le verbe être, il va être masculin singulier. L'autre exemple ici, on te donne un exemple avec un pronom. Donc, on te dit « il est drôle aussi ». Donc, qui est drôle? C'est « il ». Et « il », même si on ne sait pas ce que remplace « il », on sait que c'est masculin et singulier, ce qui veut dire que « drôle » va devoir être masculin et singulier, comme dans la phrase ici. Pour ce qui est du verbe, le verbe, il sert à expliquer une action, à exprimer une action. Donc, comme être, parler, manger, marcher. Donc, quand je marche, je fais une action. Je suis en train de faire quelque chose, ça veut dire que marcher est un verbe. Il peut servir à donner des précisions sur quelqu'un ou sur quelque chose. Par exemple, ici, la sorcière prononce des formules. La sorcière, c'est un nom commun avec son déterminant. Qu'est-ce qu'elle fait, la sorcière? C'est quoi son action? C'est qu'elle prononce. Prononcer, ça veut dire parler, des formules. Donc, le verbe ici, prononce, il sert à expliquer qu'est-ce que la sorcière, elle est en train de faire, à exprimer une action. Elles sont magiques. Bien, là, c'est le verbe être. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle est? Comment elles sont? Elles. Donc, magique, c'est la réponse. Le verbe être, il sert à expliquer l'action, comment elles sont. Le verbe est le seul mot qui se conjugue. Donc, conjugue, là, c'est le mot qu'on utilise. C'est la même chose que quand on dit accorder avec les autres mots. Ça veut dire qu'on peut le mettre au singulier, au pluriel et tout. Sa terminaison change selon la personne. Donc, quand on parle de personne, on dit première, deuxième ou troisième personne, du singulier ou du pluriel. Et le temps de conjugaison. Donc, la personne et le nombre, c'est les pronoms du verbe. Je, tu, il, nous, vous, il. Et le temps de conjugaison, c'est par exemple le présent, l'imparfait, le futur, le conditionnel, le passé composé, donc les temps de verbe. Donc, on te donne un exemple. Il prépare. Donc, la terminaison du verbe prépare, ici, c'est « e ». Il préparait, A-I-T, nous préparons, O-N-S, nous préparions, I-O-N-S. Donc, ici, la terminaison, ça veut dire la fin du mot, change
parce que ici, il prépare, c'est parce qu'il est avec il préparait, ça change parce que on a changé de temps de verbe. Donc, le premier, c'était au présent, le deuxième, il préparait, c'est à l'imparfait. Nous préparons au présent, ONS parce que c'est avec nous et parce que c'est au présent. Nous préparions, IONS, c'est avec le nous parce que IONS, et on a changé aussi la terminaison parce qu'on a changé de temps de verbe. Pour savoir si un mot est un verbe conjugué, donc si par exemple tu regardes la phrase et tu dis, ah, est-ce que ça c'est un verbe ou c'est un nom ou un adjectif? Ce que tu peux faire, c'est essayer de placer le verbe, le mot que tu cherches, entre le ne et pas. Par exemple, si je dis elle prépare une potion, et là tu dis prépare, est-ce que c'est un verbe? Je ne suis pas certaine. Tu regardes, est-ce que tu peux dire elle ne prépare pas une potion? Alors, si la réponse est oui, la phrase garde son sens, ça fonctionne, ça veut dire que le mot prépare, c'est un verbe. Donc, c'est un petit truc pour t'aider à savoir si le mot est un verbe ou pas. Si tu disais par exemple, si on prenait le mot potion, tu disais moi potion, je suis pas certain si c'est un verbe ou pas, tu pourrais dire elle prépare une ne potion pas. Est-ce que ça marche comme phrase? Non, pas vraiment. Donc ça veut dire que potion, c'est pas un verbe. Donc c'est un petit truc là pour t'aider à trouver les verbes dans les phrases. Et finalement, le pronom. Donc, c'est la dernière explication que je vais te donner. Donc, le pronom, c'est surtout les pronoms de conjugaison. Là, il existe plusieurs sortes de pronoms, mais ceux qui nous intéressent le plus, c'est les pronoms de conjugaison. Donc, ce sont les petits mots avec lesquels on conjugue. Par exemple, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Donc, les pronoms de conjugaison donnent sa personne. Donc, quand on dit première personne, c'est je. Première personne du singulier, je. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du singulier, tu. Deuxième personne du pluriel, vous. Et troisième personne du singulier, il ou elle au singulier. Et troisième personne du pluriel, il ou elle au pluriel. Et comme je disais tantôt, dépendamment le pronom, le verbe va s'accorder avec le pronom. Donc, si c'est nous, on va mettre la terminaison avec le verbe. Avec le pronom nous, donc ONS, selon le temps de verbe aussi. Donc, j'espère que ce petit rappel t'a beaucoup aidé pour te rappeler les classes de mots et je vais t'envoyer des exercices pour te pratiquer. Bye bye!